allez voir votre œil va développer beaucoup, beaucoup d'aptitude d'aller voir les fins détails, pas juste sur le soleil, mais aussi sur les planètes, dont la planète Mars qui est très, très difficile pour l'œil humain, la Lune et le Sky aussi. Alors moi, je vous encourage à prendre le temps de dessiner. J'ai vu, ça va être des gribouillis. Donnez-vous quelques mois, quelques années, et vous allez être surpris des détails que vous allez voir, toujours avec le même instrument. Vous allez voir que votre œil va développer comment sa sensibilité, son acuité à voir les détails. Donc, les images qui s'en viennent, par une ou deux, c'est qu'il y a des petits Coronado PST 40 mm, puis un LON 60 mm, un petit peu plus gros. Et ça apparaît dans les images. Alors, c'est peut-être l'objet le plus facile à observer dans l'astronomie amateur, le Soleil, parce que c'est le jour. Le H-alpha, c'est une merveilleux. Dès que le Soleil se pointe à l'horizon, vous pouvez commencer à l'observer. L'atmosphère dérange à peine jusqu'à son coucher. Mon record, moi, je l'ai fait pendant quelques semaines. Hein, le Soleil est comme... on voit l'envers, parce que le Soleil est comme disparu derrière une montagne, mais il y avait une bonne protubérance. À un moment donné, on voyait la montagne, la disque sphère disparue, puis ce qu'on voyait, c'est une grosse protubérance. Ça a duré quelques secondes pour ça.